Sœur Claire, bonne année. Bonne année. Nous entrons dans l'année B avec ce temps de l'Avent. Voilà, c'est le premier dimanche de l'Avent de l'année B, autrement dit l'année Saint-Marc. Et on commence pas du tout par le début de l'Évangile, mais plutôt par la fin, par un passage qui précède la Pâque du Seigneur. C'est le chapitre 13, versets 33 à 37, dans l'Évangile selon saint Marc. C'est-à-dire que l'Avent, qui nous aide à préparer la première venue du Seigneur, nous demande aussi de faire mémoire de la deuxième venue du Seigneur, de sa venue en gloire. Parce que je rappelle que « avant », ça veut dire « avènement », et « avènement », ça veut dire « venue ». Alors, je commence par un texte de saint Cyrille de Jérusalem sur la question. « Nous annonçons l'avènement du Christ, non pas un avènement seulement, mais aussi un second, qui est beaucoup plus beau que le premier. Dans le premier avènement, il est enveloppé de l'ange dans une crèche. Dans le second, il est revêtu de lumière comme d'un manteau. Dans le premier, il a subi la croix, ayant méprisé la honte. Dans le second, il viendra escorté par l'armée des anges en triomphateur. Nous ne nous arrêtons pas au premier avènement, nous attendons aussi le second. » Ce qui explique ce texte qui est mis en tête de l'Avent. Bon, le premier dimanche de l'Avent, on nous parle du second avènement, parce qu'un des titres de notre Seigneur bien-aimé, c'est « Celui qui vient », venu avènement. Alors, il parle à ses disciples, nous dit la traduction liturgique, et puis à la fin du texte, on verra qu'en réalité, il parle à tous. Ce que je vous dis à vous, je le dis à tous, au verset 37. Et la première chose qu'il leur dit, c'est « Prenez garde, chassez le sommeil, car vous ne savez pas quand sera le moment, sous-entendu, de ma seconde venue. » Alors, prenez garde, le verbe grec, la plupart du temps, dans la parole de Dieu, suppose un regard de foi. C'est pas « faites bien attention », c'est « considérez les événements, les choses » avec un regard de foi. C'est ce que Dieu demande à Abraham, le grec traduit pratiquement par le même verbe avec un préfixe, mais dans Genèse 15, chapitre 5 et 6, le Seigneur fait sortir Abraham et ensuite il lui dit « Regarde du haut du ciel, regarde les choses avec un nouveau regard ». Et la conclusion, c'est Abraham crut dans le Seigneur qui a considéré qu'il était juste. Il s'agit de ce regard. C'est prenez garde, ça veut dire regarder les choses d'une certaine manière. On trouve ce même verbe dans l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 8, au verset 15. Marc 8, 15. Quand les disciples, alors qu'il y a eu des multiplications des pains, sont dans une barque, ils ont oublié le pique-nique et ils se font du souci. Jésus leur dit « Ouvrez l'œil et gardez-vous du levain des pharisiens ». C'est traduit comme ça dans ma Bible de Jérusalem. Jésus leur dit en réalité « Prenez garde ». En tout cas, ayez un regard de foi sur les événements. Ne vous fiez pas au discours des pharisiens et d'Hérode. Ayez un regard de foi. C'est-à-dire un regard quasiment divin, qui participe du regard de Dieu. C'est ce que nous dit le livre de l'Ecclésiastique ou Siracide au chapitre 15 au verset 18 pour parler du regard de Dieu lui-même. Grande est la sagesse du Seigneur, il est tout puissant et il voit, c'est ce regard, il voit tout. Donc c'est un regard de foi, de discernement, d'écoute, pour entrer dans le regard du Seigneur. C'est la raison pour laquelle Jésus dit à ses disciples dans l'Évangile selon saint Luc chapitre 10 au verset 23, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Mais tout le monde voit la même chose. Mais en réalité, les yeux des disciples voient plus loin parce qu'ils ont un regard de foi. Enfin, pas tout le temps, mais il arrive qu'ils aient un regard de foi, qu'ils voient les choses dans la lumière du Seigneur et pour cela, ils sont
bienheureux. Donc ce qui est traduit par prenez garde, voilà ce que ça veut dire. Regardez les choses et les événements d'une manière très particulière dans la lumière de la foi. Deuxième recommandation, chasser le sommeil. Alors, c'est traduit par rester éveillé, ça veut dire bien sûr exactement pareil, mais en grec ça veut dire très exactement ça, faites la chasse au sommeil. Quel sommeil? Ben, par exemple celui de Jacob, hein, au chapitre 28 du livre de la Genèse, où il est dit que Jacob s'éveilla de son sommeil et dit « En vérité, le Seigneur est dans ce lieu et je ne le savais pas ». C'est de ce sommeil-là qu'il s'agit. Chassez le sommeil qui vous coupe de Dieu, qui vous fait oublier la présence de Dieu dans vos vies. Donc comme un genre de mort spirituelle, on vit sans Dieu, on oublie la présence de Dieu, on oublie la bienheureuse espérance de sa venue. Voilà, c'est de ce sommeil qu'il est question. Alors, un auteur pas très connu, un bénédictin du 8e siècle, qui a un nom smaragde de Saint-Mihiel, commente ainsi le verbe « veiller ». Celui qui tient les yeux ouverts pour voir la vraie lumière, celui-là veille. Celui qui est fidèle à agir d'après sa foi, celui-là veille. Celui-là veille qui repousse loin de lui les ténèbres du corps et de la négligence. Alors ensuite, vous avez la parabole. Comme un homme qui part en voyage, il quitte sa maison, enfin plutôt il laisse la gestion de sa maison, c'est peut-être comme ça qu'on pourrait traduire, et il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Alors premièrement, il a laissé sa maison. Alors grâce au pape François, tout le monde sait par cœur de quelle maison il s'agit. Hein. Je vous rappelle dans le sous-titre de la magnifique encyclique Laudato Si, c'est « Sur la sauvegarde de la maison commune ». Et la conclusion, enfin tout à fait à la fin de cette encyclique, « Unissons-nous pour prendre en charge cette maison qui nous a été confiée ». Et je recommande de relire cette encyclique, mais de la première à la dernière ligne, pas en choisissant les passages où il est uniquement question d'écologie, parce que ça va évidemment beaucoup plus loin. Donc cette maison commune, c'est l'univers que le Seigneur nous a laissé pour qu'on le gère en son nom. Deuxièmement, la maison commune, ou plutôt la maison tout court, c'est nous-mêmes et notre vie. Nous sommes une maison, notre vie est comparée à une maison dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 7, verset 24. « Quiconque écoute ces paroles que je viens de dire peut se comparer à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. » Sa maison, ça veut dire toute sa vie. Autre sens du mot « maison », plutôt, ça va dans le même sens, hein, c'est ce que dit saint Paul. Il utilise le mot « maison » de Corinthiens 5, 1. « Nous savons en effet que si cette tente, notre maison terrestre, vient à être détruite, nous avons un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une maison éternelle qui n'est pas faite de main d'homme. » Notre maison, voilà, c'est nous-mêmes et toute notre vie. Et puis, la maison du Seigneur, ben, c'est aussi le lieu où il vient habiter parmi nous. C'est chaque fois qu'on lui laisse la place dans notre vie, dans l'univers, la place qu'on lui laisse, ça devient sa maison. Alors, il est souvent question de la maison de Dieu, encore de la maison du Père. Par exemple, dans saint Jean, chapitre 14, verset 2, alors la maison, sa maison, là, pour le coup, c'est le ciel déjà, où il est dit « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeure. Mais il faut déjà préparer cette place dans la maison de Dieu sur cette terre. Et puis encore, le psaume bien connu, le psaume de monter à Jérusalem, psaume 122 au premier verset, on en connaît par cœur la traduction qu'on chante, j'étais dans la joie quand on m'a dit nous irons à la maison du Seigneur. Donc cette maison commune, ça ne veut pas dire seulement commune à tous les hommes, ça veut dire commune à Dieu et aux hommes.
et il est hors de question de couper le propriétaire de sa maison. Il ne nous a confié que la gestion. Voilà le sens de cette parabole. Et alors, vous avez encore ici le verbe veiller. Donc, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Troisième verbe qui n'est pas le même que les deux autres. On a prenez garde, ayez un regard clairvoyant, ensuite chassez le sommeil, et maintenant le verbe veiller, qui a donné le prénom Grégoire, parce que c'est le verbe grégorein qui veut dire veiller, c'est-à-dire dans le sens de veiller sur, prêter attention, vous voyez, ne pas se faire avoir, on pourrait dire, ne pas tomber dans la tentation. C'est tout ça le sens du verbe veiller. Et c'est pourquoi il parle de serviteur, et puis le plus important, c'est le portier. Le portier qui ne doit pas laisser entrer n'importe qui. Il est question de portier pour parler de notre âme dès la Genèse. Regardez ce que Dieu dit à Caïn. Genèse 4, 7. Si tu es bien disposé, ne relèveras-tu pas la tête? Mais si tu n'es pas bien disposé, ça veut dire si tu veilles pas, si tu ne veilles pas. Le péché n'est-il pas à la porte, à ta porte, à la porte de ton âme, une bête tapie qui te convoite, pourras-tu la dominer? La porte, déjà, pour le premier péché de Caïn. Veiller sur la porte, être portier. Trois fois c'est dit dans ce texte, au verset 34, au verset 35 et au verset 37. Veiller, ça veut dire attendre le Seigneur. On a le très beau psaume, psaume 130, versets 6 à 8. C'est l'espérance, cette veille-là, c'est l'espérance. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, plus que les veilleurs ne guettent l'aurore, qu'Israël attend le Seigneur, etc. Veiller. Être un veilleur, comme un veilleur attend l'aurore. Et puis, il y a un psaume qui nous dit fort heureusement que le Seigneur veille avec nous et pour nous. C'est le psaume 141, au verset 3. Établis, Seigneur, une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Le Seigneur nous aide à être portier, il est portier avec nous pour veiller sur la porte, sur les portes, pour qu'on ne laisse pas entrer les tentations. Et je termine avec saint Augustin. Il recommande au portier de veiller, c'est-à-dire qu'il fait un devoir à l'ordre des pasteurs de consacrer tous leurs soins à l'Église. Alors les premiers portiers, c'est les pasteurs, de consacrer tous leurs soins à l'Église qui leur est confiée. Mais cette recommandation n'est pas seulement pour les pasteurs de l'Église. Nous devons nous-mêmes veiller, garder soigneusement sur les portes de nos cœurs, les fermer à toute inspiration mauvaise de l'antique ennemi et prendre garde que le Seigneur ne nous trouve endormis. Sœur Claire, merci.